trio-là, notre première, toute première prestation, elle est ici en Tunisie. D'accord. Du coup, sachant qu'on est le premier pays arabe après Tunisie à interpréter ici, on a tout de suite pensé à représenter le Maroc. Donc puisqu'on est les seuls pour l'instant à être invités à ce festival cette année, on a tout de suite pensé à nommer ce trio-là l'âme du Maroc. Donc c'est plutôt grâce au festival qu'on a pu nommer ce trio-là. Déjà, moi et Mohamed, on joue à l'Orchestre Philharmonique du Maroc, donc on joue souvent ensemble. Par contre, Lina, on s'est rencontrés dans des concerts de chorale, les voix du chœur. Donc on a travaillé ensemble, des concerts avec la chorale, et on s'est rencontrés comme ça, par hasard. Après, on a eu l'idée de jouer un trio, déjà pour bosser pour nous. Et on a invité Lina pour qu'on joue en trio. Et on a eu l'occasion de jouer ici à Carthage. Et, là, en fait, on est en tournée. On va jouer à Rabat. On va retourner le jeudi, on va jouer à Rabat. Et après, on joue le mardi à Casablanca. Donc, c'est le premier concert ici à Carthage. Mais ça finit à Casablanca, au Maroc. Super. Ça a été composé en fait par nous trois. On a choisi le programme ensemble. On a décidé de choisir les quatre compositeurs. Du coup, on a voulu tout de suite commencer par Haydn, sachant que c'est un compositeur classique. Donc voilà, généralement on commence par du classique. Donc voilà, c'était Haydn, le trio. Et puis ensuite, on a fait l'Elegia Rachmaninov, qui est très très un morceau très émouvant d'ailleurs et très costaud aussi. Donc ensuite on a fait une pause pour enchaîner avec le deuxième mouvement de l'opus 100 de Schubert. Bon, deuxième mouvement, malheureusement on n'a pas eu trop le temps de faire la sonate complète.
Donc on a dû choisir un mouvement, c'était le deuxième, sachant qu'il est connu. Et pour finir, on a fait Schumann, voilà, Fantaisie Stucco de Schumann. Thank you.